Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou, pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi 25 janvier 2024. Bienvenue dans le journal Créole, nous, en collaboration avec VOA Créole. Actualité a, sous plan national, la situation a toujours été compliquée dans Wanamette après gros bataille ça qui gagnait entre la police ensemble avec un BESAP après Ariel Henry fin révoqué Jean-Tel Joseph dans tête ANAP. Actualité a toujours été compliquée, eh bien jeudi a gagné un gros réunion qui fait un conseil en sécurité l'ONU lui-même qui chita sous dossier Haïti après comment il est capable de jouer une solution avec question problème qui existait dans le pays d'Haïti. Nous parlons dans le Moyen-Orient et négociations toujours à continuer sous dossier guerre Israël à Masla pendant toujours gagner gros affrontement en deux pays yo, surtout là je vais parler de l'armée israélienne ensemble avec militants Hamas. C'est tout point ça yo, nous va gagner pour nous développer pour notre journal ça madame monsieur, restez connecté avec nous yon façon ou capable bien informé. Une autre fois encore, go bonsoir pour nous toutes, bienvenue dans le développement journal Silla. Situation, il paraît toujours été compliqué en dedans Wanamette, eh bien avec Ariel Henry lui-même qui révoquait Jean-Tel Joseph dans tête ANAP lui-même qui a dirigé monsieur Bessapio après déclaration Guy Philippe lui-même qui t'a fait faire, c'est une question de révolution ensemble avec ça que l'eau désobéissance civile. Ariel Henry comme quoi que il a remarqué monsieur Bessapio qui pas porter coller ensemble avec lui, eh bien lui-même il décidé pour qu'il capable révoquer Jean-Tel Joseph dans tête ANAP et monsieur Bessapio même yo décidé prendre la réunion dans Henchan dans Wanamette Lascaobas à plusieurs l'autre côté, et bien révocation Jean-Tel Gentilla causé un gros problème côté que la police nationale d'Haïti face à Bessap et monsieur Bio qui était même arrivé tiré d'après information et bien plusieurs confrères dans médias locaux yo en dedans Wanamette faire qu'on les amis internautes gagné monsieur Bio qui arrivé tiré sous population ensemble avec un BESAP, ça vient rete yon gros problème. Et matin, après que action sa fin fait, genye matin exactement, monsieur BESAP yon même yon décide camper nan base ensemble avec toute population, et bien attend l'ordre, et bien chef yon, et bien à n'importe quel moment, et bien monsieur BIO, du moins, quel que soit n'importe entité nan, et la police nationale d'Haïti, yon ta mette akasan yon même pour yon mette siwo. Même situation ça, il toujours à développer. Eh bien Ariel Henry lui-même tu mettais dans trouver dans petit soulier situation paraît dégénérée et que en pile monde a demandé pour que Ariel Henry capable tirer la révérence pour qu'il capable et pour que lui-même il capable faire ça que l'eau quitter tête pouvoir mon frère là qui c'est Eli Henry lui-même lui demander pour que Ariel Henry capable et bien bay tête pouvoir et bien ouais comment que lui-même li capable et bien bay population haïtienne yon chance c'est quitter pouvoir. Mais Ariel Henry bon côté parle lui-même qui pa gen yon telle réaction pareille, et Wyclef Jean bon côté parle lui-même chanteur haïtien artiste là li décidé pour qu'il capable parler ensemble avec Ariel Henry li mandé là pour qu'il capable et bien remettre pouvoir yon façon pacifique pour qu'il capable éviter yon bain de sang. Et bien ça montre que exactement madame mademoiselle dit monsieur nan jou kap fini yo situation capable compliquer d'après plusieurs intervenants qui gagnent et bien sous scène nationale là et même sous scène internationale. Yon l'autre côté madame mademoiselle et monsieur gagné commissaire Muscadin lui-même li frappé fort nan moment n'a parlé là. Et bien commissaire Muscadin en dedans commissaire Muscadin lui-même li frappé dans fond de nègre la côté qui gagnait yon certain de Dani qui c'est yon gang qui trouvait dans base Tilapli, et bien monsieur lui-même Tilapli t'a pas gagné pour qu'il capable et bien mettez lui comme chef gang en dedans et fond de nègre. Et bien commissaire Muscadin lui-même li rivé joigni et bien fait voir là pour payer sans chapeau li déjà rencontré ensemble avec Baron et même Dani ça chef gang ça qui t'a pas gagné pour le placer comme chef gang. Genyen te déjà fait déclaration d'après commissaire Muscadin lorsque lui-même l'arrivé chef premier monde l'a rivé mettait à terre par l'autre c'est commissaire Muscadin ensemble avec un substitut commissaire.
De l'autre côté, gagné jeudi à Conseil en sécurité Nations Unies au même Yoshita Suka Haïti a et ben gagné gros décision qui prend et ben gagné Japon, gagné les États-Unis ensemble avec plusieurs autres nations Yoshita pourquoi comment que au capable porter coller porter un soutien ensemble avec Haïti qui trouvait non situation qui vraiment dépassé avec question gang ça au cap baye problème dans le pays d'Haïti et bien plusieurs autres pays mandé pour que capable gagner des forces multinationales ça qui pour déployer dans le pays d'Haïti pour comment que Haïti capable sorti dans ça que lui-même nié jeudi a et le pays les États-Unis lui-même beaucoup de parler représentant lui te fait connait et bien question ça question problème ça qui trouvé dans pays d'Haïti a et bien c'est une question côté qui capable résoudre sans aucun problème mais pour le résoudre faut que force multinationale lui-même li capable rentrer dans pays d'Haïti bien situation par été là madame mademoiselle et messieurs actualité a sous plan international nous pour aller chita kon nous dans Moyen-Orient gagné une gros négociation qui a fait et bien pour que normalement sous dossier guerre Israël Hamas là malgré négociation ça yo a fait et a fait gagner Israël lui-même qui pas décidé camper sous question de ça malgré gagner gros affrontement qui gagner entre l'armée Israël là ensemble avec militant Hamas Israël fait comprendre tout autant que lui-même il pas fini ensemble avec monsieur militant Hamas en dedans Gaza et ben guerre ça il pas fini en début de tout malgré gros déclaration a fait à bon côté responsable l'armée Israël yo et ben jusqu'à présent toujours une gros négociation qui a fait pour comment qui capable joindre une entente et même une solution et que guerre ça il capable camper ou capable gagner cessez-le feu tout pour comment que militant Hamas même capable une chance pour que yo capable manger capable river entrer en dedans parce que humanitairement parlant moun yo gen gros difficulté pour qu'yo capable manger et gen moun non seulement qui mouri avec yon se de missile qui mouri avec un balle l'armée israélienne nan et bien c'est comme ça tout gen pile moun à cause que yo pas capable sorti pour qu'yo capable al chercher manger al chercher de l'eau pour qu'yo capable fonctionner et gen tout qui mouri de faim madame mademoiselle et messieurs merci de ce côté pour tes attention ensemble avec information ça yo restez connecté avec nous pour qu'yo capable et plus informé n'a quitte yo ensemble avec VOA créole. Jeudi 25 janvier 2024, c'est un plaisir une autre fois encore pour entrer la CAO pour nous présenter un programme dans langue créole haïtienne. Moi c'est Jacqueline Belizère, quelques nan grand point cap dominé actualité. Actualité internationale, négociation yo a continué sous dossier guerre Israélo-Hamas là pendant affrontement yo a continué entre l'armée Israël et militants Hamas. En Haïti, décision juridique juge Alduniel Dimanchio prend en cadre dossier corruption ULCCO parmi eux arrestation ancien député Charles Achancy ak mandat et interdiction de départ et ben tout ça continue provoquer en pile réaction dans le pays d'Haïti. Séminaire formation VOA créole dans tête collée avec ambassade États-Unis en Haïti fini hier mercredi à Miami dans l'état Floride, nous va gain réaction quelques dans 15 confrères qui étaient participé dans formation 3 jours ça. Et c'est point ça yo avec l'autre encore nous pour le développer pour dans rendez-vous info après-midi. Yon la fois encore dossier Haïti a été dans Nations Unies et dans réunion Conseil sécurité a qui était déroulé jeudi 25 janvier. Et bien officiel Nations Unies yo mandé membre Conseil sécurité a support pour déploiement mission sécurité force multinationale là en Haïti. Valério Saint-Louis te suivre pour nous session ça. Jodi a, dans quartier général Nations Unies dans Manhattan, New York, Conseil sécurité a été réuni sous cap pays d'Haïti a, une autre fois encore. Séance a été dirigée par représentant pays la France là, qui chita comme président conseil là pendant mois de janvier ça. Ministre Affaires étrangères haïtien Jean-Victor Généus, ministre Affaires étrangères dominicain Roberto Alvarez, ensemble avec représentant pays Kenya et pays Sainte-Lucie, t'es invité à assister dans réunion ça. Madame Maria Isabel Salvador, représentant spécial secrétaire général là pour Haïti et chef bureau intégré Nations Unies en Haïti a, BINU, t'es présenté rapport li sous situation pays a. Il commençait par décrire situation insécurité qui vient pi mal pour année 2023. Chef BINU a parlé de 8400 victimes violence et insécurité qui t'a recensé, qui donc une augmentation de 122% dans cas insécurité. Chef BINU a indiqué que mis à part capitale là, insécurité a commencé à envahir département la Tibonite avec zone sud capitale là. BINU recensé tout 400 civils qui t'a perdu la vie à cause mouvement populaire dans pays. BINU a fait formation dans domaine renseignement pour policiers haïtiens. Yo pral gagné 795 nouveaux recrues qui a sorti dans 33e promotion PNH là qui a renforcé la
police là. Bien que li précisé, gagne 1600 policiers qui quittent force police là pour voyager à l'étranger. Police nationale a joint une augmentation de 13% dans budget l'IA. Dans moment, Binu a fait formation pour 400 agents de la police, 20 machines avec plusieurs centaines de motocyclettes, vin ajouté pour permettre la police à faire travail. Chef Binu a dit que le fait consultation régulièrement avec autorité nationale pour préparation déploiement force mission multinationale en Haïti. Li mandé même conseil sécurité pour continuer à contribuer dans fond panier l'agent pour supporter mission multinationale ça, cap dirigé et piloté par acteur haïtien yo. Pendant que dialogue là a continué pour arriver joindre accord politique pour organiser élection dans pays ya. Chef Binu a dit que Nations Unies continue à travailler sous régime sanction yo et organisation internationale là continue supporter unité anticorruption ensemble avec système judiciaire haïtien. Li fini pour dire que déploiement rapide mission multinationale là important en pile pour pays d'Haïti. Après ça, c'était tout par madame Gada Fatih Ismaël Wali, directrice exécutive Bureau Nations Unies pour drogue à crime. Lui-même il était présenté une mise à jour sous trafic d'armes dans pays ya. Selon rapport qui sorti en octobre 2023, yo joint que gen 4 grandes routes maritimes et terrestres côté que zam a sorti aux États-Unis pour arriver en Haïti. Yo arrivé détecter 11 pistes atterrissage informel que trafiquants zam yo a utilisé et côté que plusieurs petits avions qui sorti aux États-Unis a entré en Haïti. Madame Wali cité non groupe gang 5 secondes yo à gang 400 Maozo qui t'a spécialisé dans acheter et puis distribuer zam dans pays ya. Li indiqué que li nécessaire pour Nations Unies aider stopper trafic zam ak munitions entrer en Haïti. Li constaté yon augmentation dans crime organisé avec insécurité en général dans pays ya. Li dit que bureau ULCCA qui a broumé contre corruption présenté 11 rapports qui impliquaient 375 moun dans corruption et dossier été transmet by procureur gouvernement haïtien. Li dit mois prochain pral plus difficile pour Haïti avec présence l'autre acteur souterrain. Finalement, li invité autorité haïtienne yo supporter lutte contre corruption dans pays ya. Madame Tirana Hassan, directrice exécutive organisation droit moun sa qui relé Human Rights Watch, dit que déploiement mission force multinationale en Haïti a nécessaire. Situation empirée pendant l'année 2003. Licité 4700 moun qui t'a perdu la vie à cause d'insécurité. 2500 moun t'a kidnappé l'année passée selon rapport. Plusieurs milliers moun obligés de déplacer et une grande partie de la population civile n'a pas gain accès à l'eau potable ni aide humanitaire. Femmes et moun sibi gros habit particulièrement dans zone cité soleil là. Côté que population traumatisée, il dit que pendant que le supporter déploiement mission force multinationale là, mais faut qu'yo éviter répéter erreur que yo t'ai fait avant. Couer choléra, abus sexuel sous population. Il dit faut gain bon gens vérification avant que force la déployer. Il demande tolérance zéro pour toute membre mission force multinationale ça. Il demande pour prendre des mesures contre gang et puis stopper vague quantité d'armes illicites qui a entré dans pays là. Li dénonce tout rapatriement plusieurs haïtiens qui t'a sauvé quitté situation insécurité en Haïti et puis li finit pour demander respect droit moun en Haïti. Et pour une autre fois encore fait plaidoirie, demander pour force multinationale à venir supporter police nationale à goumen contre gang yo, ministre affaires étrangères haïtien Jean-Victor Généus te prend la parole. Cela fait maintenant près de 2 ans que je viens régulièrement par devant vous peindre un tableau à chaque fois plus triste et sombre de la situation sécuritaire et humanitaire dans mon pays. Le peuple haïtien n'en peut plus. Je souhaite que cette fois-ci soit vraiment la dernière avant le déploiement de la présence sur le terrain d'une force multinationale d'appui aux forces haïtiennes de sécurité. Le peuple haïtien a assez souffert de la barbarie des gangs armés. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis et puis toute attention dans le pays d'Haïti braqué sous Fossa qui gagne pour Vini. Donc j'ai attention fixé sous Kenya et puis dans actualité internationale là Israël Hamas là continue à dominer actualité dans la région Moyen-Orient. Oui, actualité à la région Moyen-Orient, négociation yo a continué sous guerre Israël Hamas là pendant que affrontement entre l'armée israélienne nan avec militants Hamas yo a continué et en pile moun continue à mourir. Nous prenons mise à jour avec Gentil Augustin Junior. Juge dans tribunal international justice là pral décider vendredi 26 janvier 2024 là si yo ta adopté yon mezi urgence contre Israël après accusation Afrique du Sud te fait connait opération militaire israélienne en Gaza c'est un génocide l'état dirigé. Malgré plainte ça contre Israël, la Melia continue à attaquer région Gaza nan objectif pour éliminer groupe armé Hamas là. Nous connaissons que le tribunal international justice là gain pour décider demain sous mesi provisoire liyo. Nous suggérons pourtant à quoi ça tribunal là gain pour dire. Nous espérons que li rejete accusation abside ak ridicule Afrique du Sud là. Pendant 2 jours audience dans commencement mois ça, Afrique du Sud demande premier tribunal Nations Unies pour by l'ordre une suspension urgence
campagne militaire dévastateur Israël là dans enclave palestinien. Pendant ce temps, l'armée israélienne a été publié vidéo hier mercredi 24 janvier là que yo té découvri un tunnel en bataille qui connectait nord ak sud région Gaza ensemble ak missile anti-avion ak lance-fusée dans camp réfugié Burridge dans territoire palestinien. Kounyeya, nous a mené enquête sur infrastructure tunnel Hamas là. Enquête la faite dans PC à toute qualité outils et spécial que nous utilisons ici là. Travail là a progressé considérablement. Groupe Hamas là li même bon côté parle, publié une vidéo jeudi jeudi 25 janvier ya qui prétend montrer viser ça yo dit qui c'est machine blindée l'armée Israël là. Waters pas qu'a confirmé côté ou soit date vidéo wa. Pendant offensive yo a continué dans ville Gaza, blessé yo té rivé dans l'hôpital européen dans Khan Younis jeudi jeudi 25 janvier ya. Yon résident palestinien te dit. Blessé yo te sorti dans un point soldat inconnu dans Bani Souela. Gen blessé dans la ria. Nous déplacer n'importe moun nous te capable. Nous pas capable pendant tirer ya. Gen mort dans la ria. Pendant j'effort a fait pour porter aide humanitaire pour région Gaza, yon des ordres éclatés pendant distribution aide là dans ville Gaza hier mercredi 24 janvier 2024 là. Résident yo tap couri tribord babord pendant yo t'étendé coup de zam qui tap déclenché dans quartier Al-Zeitoun. Offensif israélien qui t'est lancé après attaque mortelle militant Hamas yo t'est fait dans date 7 octobre là qui t'est touyé 1200 moun ak 240 otages d'après officiel israélien yo. Bon côté pas autorité palestinien yo, plus passé 25 000 moun t'est mouri et puis fort dans 2.3 millions résidents Gaza t'est déplacé. Et li t'est la cause gros manque manger, d'eau ak fourniti médical. Cependant, porte-parole gouvernement israélien, Haylon Levy, te di madi passé ya, pa gen limite sous admission aide humanitaire. Gentil Augustin Junior, Miami, pour VOA Creole. Merci Gentil. L'autre point dans l'actualité internationale là, n'a pas les immigration. États-Unis a travaillé avec Mexique pour gérer situation qui sous frontière deux pays partagés. Pendant ce temps, migrants a vivre une situation qui très particulière, une situation très compliquée sous frontière deux pays partagés. Nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe. Ça a commencé mal depuis l'immigrant vénézuélien Antonio Alexander décidé de traverser la ville mexicaine sud à ouest pour entrer dans El Paso, Texas sans document légal avec intention pour rendre tête libre à Jean Ladouane avec protection frontalière CBP. Après une semaine de détention, Alexander a commencé une autre vie aux États-Unis avec possibilité pour un travail pour capable aider famille. Alexander attend date du rendez-vous pour le présenter devant un juge d'immigration pour capable demander asile, même les objectifs li c'est pour retourner dans le pays Nathalie, Venezuela. Alexander te gen akli devant l'église Sacré-Cœur en bas la ville d'El Paso au Texas, un groupe jeune garçon qui sorti Venezuela, Honduras avec Colombie, captain une opportunité économique. Quelques immigrants, tant qu'Alexis Fabian, te préféré tendre au Mexique, y ont rendez-vous avant de présenter devant un agent de la douane. Fabian déclaré, moi, tant un mois avant moi joindre un rendez-vous avec deux frères. Non passé 17 ans en prison avant de libérer. Trois mois après libération, Fabian fait connaître l'a cherché travail dans El Paso, Texas, pour capable occuper tête li, tant qu'au payer loyer, kay, à cause de pas qu'il aucune assistance. Gracias a Dios, ¿verdad? Ahorita que he llegado por acá, ¿no? Pues, ¿para qué decir si me he ido bien? Hay días que trabajo y hay días que no, porque en veces la cosa está fea, ¿verdad? Mario Orlando, un immigrant hondurien qui vient El Paso ça fait 4 mois, parle pour dire jusqu'à présent tout bagaille a passé bien, même si c'est pas tout le temps moi je travaille. Autorité ont arrêté et déporté après une première tentative moi j'ai fait dans Piedras Negras à El Paso. Entre octobre et novembre, autorité immigration américaine ont mis main sous 59 702 immigrants, un chiffre qui pi bas comparé avec plus passé 11 000 immigrants. Ils ont été arrêtés dans la même période là en 2022. Sí, está cerrado porque lo que vimos es cuando Mallorca fue a México,
platicaron mucho con el gobierno federal de México y luego también aquí con el gobierno federal de los Estados Unidos. Y lo que hemos visto es cada vez lo que se cambia o que hay una plática por todo el gobierno local, el paso A, para vos decir, cuando este inmigrante disminuye, depuis el gobierno mexicano, avec el gobierno americano, te comencé a hablar su changement posible en la política de inmigración que va a afectar a nuevos inmigrantes. Mais n'importe moment, bagay ou capable changer et chiffre la capable augmenter. Comme ça, nous devons profiter de la situation actuelle là pour nous assister immigrants. Pour parler Maison Blanche là, Karine Jean-Pierre, bat bravo pour décision que suivant les États-Unis sur ce point là, ça va gagner longtemps pour autoriser l'administration à retirer Phil Barbelé, gouverneur Texas là, installé sous plusieurs kilomètres fleur Rio Grande là, pour empêcher immigrants de rentrer dans l'État illégalement. Une décision qui peut être exécutée à cause de résistance du gouverneur Texas là, Greg Abbott. Jobert Philippe, VOA Creole, Maryland. Merci Jean-Robert Philippe. L'autre point dans l'actualité internationale là, gagne une délégation législateur américain qui gagne en tête les républicains Mario Díaz-Balart avec démocrate Amy Bera. Ils ont visité Taïwan et ont rencontré jeudi 25 janvier avec président élu Lee Cheng-te avec tous les présidents sortants là en parlant de Tse Ing-wen. Marie-Luce Pierre, gagne détail. Une délégation congrès États-Unis a réaffirmé appui pour Taïwan pendant une visite qu'il a fait jeudi après élection nouveau président Lai Ching-te. Ses premières visites délégation ça qui soutient un congrès américain en fait dans Zilea depuis indépendance parti progressive démocratique là appuyé de remporter un troisième mandat une des autres dans élection présidentielle qui était déroulée dans date 13 janvier passé. That you have the support of the United States Congress. Représentant américain Mario Díaz-Balart déclaré support États-Unis pour Taïwan en Jiam, l'irréel, et puis c'est 100% tous les deux bords. Balart, c'est un républicain État Floride, il était ensemble avec démocrate Californie, Amy Bera. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce et nous voulons saluer toutes les amis qui suivent nous dans le moment ça, quelle que soit plateforme là, et nous avons attention spéciale pour l'équipe Mon Premier TVA, surtout avec Relax, Mon Premier au Sauveur à Créole. Merci d'être toujours été branché sous VOA Créole. Actualité à concernant pays d'Haïti, dans la commune Wanamet, agent brigade sécurité zone protégée, BESAP, et bien, ils campé sous position. Côté, ils déclaré, ils pas pour reconnaître arrêté qui était révoqué Jean-Tel Joseph dans tête à Napla, ni commission qui montait dans tête à Napla. Explication sous incident qui produit hier mercredi pendant yo dit BESAP paraît pour accompagner population dans mouvement révolution. Austin Kodio te parlé dans nom BESAP ak Mon Premier TV yon affilié service call. Comment a décidé yo pa gen droit à l'éducation, yo pa gen droit à la santé, yo pa ka manger, y a mal vivre. Et yo décidé, yo dit Ariel pa pou rien essayer, yo prend la ria pour yo capable manifester contre Ariel pour Ariel et Ariel va respecter ken loi dans pays ya, yo prend la ria pour yo capable réclamer droit yo et yo vle calme retourner dans pays ya, c'est Ariel pour qui aller. Rapide yo demandé BESAP et BESAP pa travailler population, n'accompagner et pour nous inviter gen des autres. Nous prend devant et puis nous prend derrière, ça veut dire nous sécuriser machin. Nous te gen pa pour nous virer dans ville là et puis virer la douane pour monter. Pendant n'a pas arrivé pendant par la douane non ça veut dire pendant n'a passé comme ça la douane c'est ça pour faire n'a passé non carrefour pour nous virer comme ça les gars des machines bay à quoi en quoi et puis n'a yo pousser n'a yo tirer gaz sur nous et puis nous tendre coup de balle à partir convaincu. Mais dis-nous non incident ça arrivé c'est suite avec match qui t'a réalisé hier là. Yes match qui t'a réalisé bon côté pas nous pas de riposte qui t'est fait bon côté ça pour faire la police. Nous pas gain riposte parce que jamais nous pas en face la police parce que la police c'est une force légale et nous même sommes force légale nous pas en face et nous pas ka gain même drapeau pour nous garder pour nous faire football face à face ça c'est pire dernier étape pays à te arriver là et pour jusqu'à présent nous pas gain gros problème avec ça qui passé parce que directeur pays a supposé dire peuple là qui ça passé comment faire
pour quantité moun sa yo pour nèg yo osé tirer sur yo konnen lè peut-être gen garde gen chef lè ap sorti qui goûter ti alcool ça ka arrivé chef la te ka gen ti alcool et ba la passé comme ça même pas penser avec bon sens ça t'a jam produit même non arrêté gouvernement prend et bien yo révoqué ancien directeur général et Anaplan Jean-Tal Joseph nous en tant que garde environnemental qui position nous par rapport à arrêter cela nous connaît bien Ariel Henry connaît pas gain droit ça il pas gain droit ça même Ariel Henry pas président il pas gain droit ça mais pendant pas gain droit ça pour intérêt politique parce que peuple a demandé départ Bessap, DG Jantel, et dans le canal là, il te bat DG Jantel 48 ans pour te retirer dans le canal là. DG Jantel te dit non, pour aller massacre qui va pas retirer l'argent. Depuis là, ça, Ariel Henry t'a fait matraquage pour garder qui j'en étais capable de camper ça. Ça veut dire, c'est parce que. Austin Kodio te parlé dans non Bessap, il était dans le micro Mon Premier TV qui s'est affilié La Voix de l'Amérique. Dans le pays d'Haïti, pendant ce temps, M. Evel Fanfan, avocat Jean-Tel Joseph, prend position contre décision Conseil des ministres. Décider de manière indécente pour l'État révoquer le DG de la NAB et de Bessap. On a parlé de. DG et maître Jean-Tel Joseph. Moi dis-nous parce que il y a environ 8 cabinets avocats qui n'ont pas ordonné que ce soit ça qui n'a pas au prince, qui n'a pas de bouquet, qui mire balai. Entre autres, pour les gens qui ne connaissent pas que Jean-Tel Joseph, c'est aussi un avocat durement attaché au barreau de Mirbalay. Nous venons pour nous dire la presse, parler, écrite et télévisée, que les nous apprendre question ça, que M. Ariel Henry a décidé, pour des raisons politiques, pour t'a révoqué le DG de la NAP, nous consulter les articles 158. L'article 159, l'article 159.1, l'article 160 de la Constitution de la République, et les nous garder article Sayo, il clairement dit que Premier ministre Ariel Henry, de facto qu'il soit, irresponsable qu'il soit, il n'a pas gagné attribution ça. Et lorsque nous allons à l'article 142, cet article fait du président de la République le seul, l'unique instance compétente pour nommer les directeurs généraux. Et il est de principe général que l'autorité de la nomination reste et demeure l'autorité de la révocation éventuelle. C'est-à-dire, en aucun cas, constitutionnellement, légalement, normativement, M. Ariel Henry n'a pas aucun droit, n'a pas aucune qualité, n'a pas aucune attribution, n'a pas aucun pouvoir pour le aucun directeur général qui a le pouvoir ça. Maître Evel Fanfan, c'est avocat Jean-Tel Joseph. N'apsi allé que n'a arrêté Conseil des ministres là qui nommé nouveau commission de restructuration à Napla. Un bessinateur t'a précisé que l'institution t'a fait face à une crise fonctionnelle et c'est ça qui fait que y'a nommé commission ça. L'autre point dans l'actualité, séminaire formation VO à Creole, dans tête collée avec ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti, fini hier mercredi à Miami, dans l'État Floride, avec participation 15 journalistes qui sont dans le pays d'Haïti. On suit réaction d'abord Joël Loquet, qui représentait ambassade des États-Unis dans Port-au-Prince, à quelques journalistes, en cours Michel Joseph, journaliste Donald Toussaint, Alex Kola, et Anisil Maître. Dans cause femme sauver wa créole journée jodiant invité nous c'est Marjorie Kayo qui écrit un livre sur la vie qui porte nom Survival of a Haitian Girl actuellement disponible sur Amazon. Marjorie Kayo a expliqué comment il était fait gueule l'idée
écrit livre ça? Alors, livre ça, moi écrit li, idée était là quelques jours, mais durant Covid là, m'te gampé le temps même d'ab vivre New York, travaille pas Jean bagay t'a passé, elle pas tellement agréable et puis me dit oh, n'entends rien même yo m'te kay kon un livre. Et m'te toujours rêvé écrit sur la vie, parce que pour moi, m'pense que y a pile histoire dans vie qui intéressant. So, c'est comme ça l'idée a été venue. C'était en 2019. Bon, maintenant, vous racontez la vie, ou, la vie pao. Et qui ça qui vient de spécial dans la vie pao, dans la vie personnelle, ou qu'on senti qui est obligé à partager avec le public? Bon, j'aime lever événements qui arrivent dans la vie. Par exemple, depuis l'homme de gain 14 ans, maman mouri. Et vous connaissez, en Haïti, les mamans mouri ou jeunes, papa m'pat nan vim. So, m'te passé en pile mauvais moment. Alors, m'pense, moment ça que m'te passé en, bien que kounia m'vin comprendre que en réalité c'est une bénédiction l'teye, même pense que te gen pile histoire qui te vaut la peine pour m'partager avec l'autre monde. Marjorie Kayo a vive dans West Palm Beach, État Floride, depuis plusieurs années. Lycée infirmière de carrière. Marjorie Kayo, a ba nou plis detay sou liv sa ki li ekri. Liv lan gen plusieurs chapitres, environ 11 chapitres, environ 226 pages, mais ki facile pou li parce que moun ki publie la fè san bon jan yo grand caractère et en pile moun ki li di m que anglais moi utilisé très facile à comprendre. So c'est pas un bagage vrai, c'est pas un casse-tête lié pour moun ki li. Et j'aime commencer, parler un peu de Haïti. Bien que je ne suis pas tellement fort en politique, moi essayer de décrire le contexte pays que je vis, la culture, la zone où je suis sorti. Et si vous commencez à lire les livres, vous pouvez commencer à me faire une anecdote, genre, adresse Haïti, pas même avec adresse tout l'autre côté. At least, côté me arrêté à moi-même. Parce que je suis arrêté dans Marceline. Alors, si tu as mon adresse, quand maman, je ne peux pas la donner. Mais si pour mon âge jeune comme maman faut ta obligé mander voisinage, yo ta ka dou passer bon l'école ka Josieu, monter petit montagne là, l'arrivo pour marchand, en pis ça ka en pile monde qui n'a sorti dans l'autre pays quand pour Jamaïque là au livre là, yo dit oh, ça rappelle me la caille non tout. Est-ce que c'est bon, certainement c'est premier livre, est-ce que c'est dernier livre? Non, c'est pas dernier livre moi, au contraire, me commencer écrire un autre livre que me pas dou titre là qu'on y est. Mais ça qui est important pour moi, c'est un livre que j'ai sur le marché qui est Survival of a Haitian Girl. Pour plus de monde toujours connaître, pour faire autre livre plus. Et puis après ça, pour continuer avec le deuxième livre que j'ai intention d'écrire. Non, Pam, c'est Jude Ronskré pour VOA Creole, West Palm Beach, État Floride. Donc c'était Cause et Femme avec Jude de Ronsré qui t'a parlé de Marjorie Kayo qui écrit un livre qu'on a nous pour rejoindre formation pour journalistes haïtiens qui nan Miami et ça finit hier. Formation, c'est une priorité pour l'ambassade américaine et ceci depuis très longtemps. Depuis que mission a travaillé en Haïti, il y a toujours une formation pour journalistes et nous faisons des formations sur toutes sortes de sujets. Mais c'est pour la première fois que nous faisons une formation qui a un rapport avec la sécurité personnelle des journalistes. Alors, forme de ça, son nouvelle expérience, c'est pas une formation qui est organisée, enfin qui est initiée par ambassade là exactement, mais c'est une initiative de la Voix de l'Amérique qui s'est dit un partenaire de l'ambassade là. Donc nous organiser des formations avec eux. Mais c'est eux-mêmes qui payaient pour les journalistes qui sont capables de venir pour formation ça. Donc raison, c'est capable de permettre aux journalistes haïtiens d'avoir plus d'outils, puis capable plus bien équipés, parce qu'on est à Haïti, il y a un pile de problèmes de sécurité. Et le manifestation tout qu'on gagne des manifestations violentes qu'on gagne gaz lacrymogène. Donc avec une telle formation participer qu'on est capable de connaître comment pour y comporter, comment pour y réagir si tu as une manifestation violente, si il y a un monde qui blessé, comment pour y bailler les premiers soins si il y a un accident. Donc cette formation, je pense qui pas seulement en formation et des cas pour corporation, mais c'est au niveau individuel. Que son formation qui va changer comportement d'abord comme journaliste sous terrain, parce que
paquet de bagages, comportement que nous avons gagné, c'est par ignorance. Là, nous arrivons dans un moment hostile, nous avons n'importe comportement et ça a fait nos victimes, ça a fait proche nos victimes. Mais c'est à partir de formation, ça, moi, en tant que journaliste, je peux changer comportement pour me bien protéger tête moi. Parce que nous connaissons Haïti, son pays qui fait face à environnement hostile, son environnement hostile déjà, manifestations violentes, questions gang, armée, insécurité. Mais c'est que je dis à nous mieux armés pour nous comprendre un modèle phénomène ça, mais tout, et protéger tête nous dans la mesure que nous sommes capables, et sans compter, tête nos premiers soins, les gens qui sont dans l'entourage, nos premiers soins. Nous avons plus aimé les simulations parce que nous avons mis nous dans la réalité à souterrain, et parce que c'était très excitant, c'était très challenging tout, pour nous être capables vraiment faire face à un modèle réalité ça, acteurs, je pense vraiment que nous avons mis tout ingrédient en place, tout détail en place pour être capable de permettre que nous vivions toute émotion. Comme si nous étions souterrains, vraiment, pour moi, c'était plus belle partie dans la formation. Sorti Carrefour, moi, c'est journaliste Radio Télé Lumière. Et compte tenu de la situation qui vient de Marianne, on est là, dans Carrefour, moi, quoi, ça pourrait vraiment aider, ça pourrait être utile. Et là, je me détendais, Véro a organisé une formation comme ça, moi, vraiment, t'es intéressé. Parce que je connais ça qui prend le bail, comme connaissance ça utile moi par rapport à contexte là, par rapport à travail moi. J'aime dire il y a vraiment utile moi de manière personnelle et la utile monde qui dans entourage moi tout parce que m'a capable partager ensemble avec yo des notions que nous t'ai apprendre avec formateur nous yo et ça pral aider tout nous gagner plus formation pour nous connaître n'a couvrir et manifestation yo qui côté nous capable camper qui côté nous capable défendre nous tout et là nous dans zone qui vraiment difficile yo comment nous capable défendre tête nous Donc voilà, c'est avec ça que formation prend fait. Nous voulons saluer de façon spéciale eh ben tout confrère nous ça yo qui t'ai fait déplacement sorti Haïti. Nous voulons saluer tout de façon spéciale équipe solide et mon premier TVA Yamile, Valérie Louis, Cheno Rosny, mon premier Judeline Pierre, Ivica Pierre-Louis, Romel Similien. Merci monsieur pour bon travail que n'a fait. Merci d'être que nous c'est affilié VOA Créole et Willex mon premier, merci pour toute collaboration. Moi c'est Jacques Lambelisa, merci pour El Señor, monsieur Nelson et puis tout l'autre monde qui était participé dans le programme. Bonsoir tout le monde et à demain.